En 2020, Primoz Roglic est passé à 59 secondes de l'une des plus belles saisons de l'histoire. Le visage groggy du Slovène à l'arrivée du chrono de la planche des belles filles est entré dans la légende du Tour de France. En 35 km, Roglic voit ses espoirs s'envoler en faveur de son compatriote Tadej Pogacar, impérial ce jour-là. Pourtant, le leader de la Jumbo-Visma avait parfaitement préparé son grand objectif. En guise de répétition, deux victoires d'étape et le général sur le Tour de l'Ain, puis un succès et trois top 10 lors du critérium du Dauphiné abandonné après une chute. Sur le Tour, Roglic s'affirme et s'impose lors de la quatrième étape et prend le maillot jaune au soir de la neuvième. La suite est connue. Comment le Slovène peut-il se relever après ce terrible échec? Lui apporte la réponse sur le vélo. Une sixième place aux Mondiaux, un premier monument avec Liège-Bastogne-Liège et enfin une Vuelta gagnée et maîtrisée, 4 victoires d'étape et 3 podiums. Roglic achève l'année numéro 1 mondial, mais sera-t-il aussi votre numéro 1 ?